Salut à tous, c'est Devil, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, on se retrouve pour la FIA Nation de ce mercredi 14 novembre 2018. Nous sommes en manche 5, je crois, quelque chose du genre, en N300 sur Fuji F. On va donc, enfin non, Fuji GPD, je crois, ou Fuji D, je sais plus, enfin bref. En gros le petit, on va devoir l'appeler Short maintenant. Donc je suis avec la GT40, comme à peu près 90% du salon. Étonnamment, j'ai vu pas mal de Xbox. Deux ou trois SFR Racing Concept, je m'attendais pas à les voir. Donc j'ai été assez surpris. Voilà, le gros avantage de cette voiture, c'est qu'elle est légère et puissante. Le gros désavantage, c'est que t'as le temps d'aller pisser et faire d'autres choses. Le temps que elle passe de vitesse entre la première et la deuxième, surtout les autres ça va, mais la première et la deuxième c'est vraiment incroyablement lent. Et surtout, c'est si t'es en descente et qu'elle commence à partir un peu en roue libre sur le passage de vitesse, ça augmente plus le temps de passage de vitesse. Donc c'est catastrophique. Mais néanmoins, elle est sympa à conduire, elle est vachement stable. Je m'attendais pas à ça dans mes souvenirs, mais moi la GT40 était beaucoup plus instable que ça. Donc c'est vrai que ça aide. Bon, vous doutez bien que je l'ai prise parce que je l'avais dans le garage, sinon j'aurais pas claqué 2 millions dessus, mais bon, je l'ai eu à chaque fois, la GT40, sur tous mes comptes, et c'est une voiture qui est, je trouve, plus facile à choper que par exemple une Red Bull X2014 standard, dont on va avoir besoin pendant la dernière FIA, dont je vais devoir du coup dépenser 3 millions. C'est chiant, je vais bien trouver l'argent pour ces 3 millions. Donc ouais. Vous l'avez vu, j'ai dû mettre un peu plus de... Enfin, en gros, accélérer tout le long de la cinématique. Ça permet de perdre des litres d'essence. En l'occurrence, j'en ai perdu 5. Ce qui est pas mal. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Qu'on soit honnête, c'est quand même pas mal. C'est pas énorme. Mais c'est pas trop dégueulasse. Sachant que je crois qu'on l'utilise sur les 9 tours 50%. Bon, ça fait 10% quand même. C'est correct. C'est correct, honnêtement. Donc ouais. Enfin, ça fait 10% de mon usure total. Pas d'arrêt au stand, évidemment. Du coup, à cause de ça, parce que voilà, les pneus sont larges, l'essence c'est large encore. Donc ouais. Et j'ai à peu près tout dit, je crois. Petite action assez importante ici. Boiscon, ce qui loupe complètement son freinage, je le vois venir. Heureusement que je le vois venir et que je me décale pas. Parce que sinon, on laisse tomber. Aussi, vous allez voir que j'ai perdu du surplat à la fin de la course. Alors, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais, mais en gros, pendant la qualif, je me suis mis une fois en dehors de la piste pour laisser passer quelqu'un en drapeau bleu. Il m'est rentré dedans parce qu'il a loupé son freinage. Un virage, en propre. Je me prends 5 secondes de pénard. Ok. Pareil sur mon deuxième tour chrono. C'est bien pour ça d'ailleurs que je fais un meilleur tour en course qu'en qualif. Donc j'étais en avance d'à peu près un dixième, je crois. Enfin, juste là, en fait. Et il y a quelqu'un qui se loupe. Donc il a de la péna, il se loupe. Il se reloupe derrière. Donc il me rentre dedans, enfin dans l'arrière à peu près là. Donc il est complètement l'écart. Je prends 3 secondes de péna, je repère du fairplay. Faut pas chercher à comprendre encore. Du coup ça fait 2 tours qualif en moins. Ce qui est un peu dérangeant, mais bon. C'est pas grave. Mon seul et unique tour qualif, du moins valide. Enfin valide. Les autres, l'autre était valide, mais. Correct, disons, m'a suffi pour obtenir cette pole position, donc j'étais plutôt content là-dessus. Bref, aussi je voulais revenir sur petit aparté qui ne concerne pas la course. Les FIA en live, je vais les reprendre, ne vous inquiétez pas, c'est juste que là, bon voilà, j'ai pas le temps de lancer le live. J'ai pas fait la constructeur, donc malheureusement, je pourrais pas vous la mettre. Voilà. Et concrètement avec la UD ça aurait été une catastrophe, donc je ne veux pas. Donc ouais, je vais continuer la constructeur néanmoins avec vous en live à partir de samedi. Juste vendredi, enfin non, pas vendredi, samedi la dernière manche. FIA, je ferai que la constructeur. Enfin, non, pardon, que la nation. En X2014 standard. Et juste après je devrais partir parce que j'ai les GTL à faire avec Jomas, entre autres. Donc voilà voilà, faut que je demande confirmation pour les heures. Ouais, logiquement ça devrait être bon. Donc voilà, sachez que je ferai du coup que la nation
à ce moment-là, en X 2014, il va falloir que je trouve les 3 millions. Je les trouverai bien quelque part. Donc ouais, et du coup, voilà, voilà, j'ai à peu près tout dit par rapport à ça. Donc ouais, je vais vous laisser avec la course. Sur ce, donc du coup, je vous laisse. N'hésitez pas à liker la vidéo à la fin de celle-ci si vous avez apprécié la vidéo. Également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour du contenu GT Sport. En tout cas, ce que je produis, ce que j'essaye de produire. Aussi, je ferai peut-être une course sous le quotidien. Je vous les mettrai, sûrement. À voir. À voir, parce que... Vous savez, avec Catalunya, d'ailleurs, est-ce que j'en fais une vidéo? Je sais pas. J'avais envie. Après, je me dis que, logiquement, la vidéo, je vais la sortir lundi soir. Nous sommes mercredi soir, à l'heure où je tourne. Jeudi soir, alors que vous voyez ça, et je l'ai toujours pas sorti. Bon, peut-être pas jeudi soir, d'ailleurs. Peut-être jeudi, midi, après. Ouais. Je sais pas si je la sortirai. Néanmoins, voilà, je risque potentiellement de faire une course quotidienne. Néanmoins, ça me ferait chier quoi, de partir derrière juste parce que des mecs devront tricher. Je crois que le plus gros temps que j'ai vu sans cheat, je crois que c'était 54-6. Je suis en 55-0, donc c'est pas mal. Après, je sais pas s'il est... Enfin, je pense que beaucoup auraient pu aller chercher mieux. Mais néanmoins, quand tu vois ça, tu te dis tu vas pas aller chercher mieux. Donc ouais, c'est assez chiant quand même. Bon, enfin bon. Ouais. Allez, sur ce, je vous laisse pour la 50e fois avec cette course. Comme vous voyez, on a fait un petit écart. Pour l'instant, le meilleur tour en piste à partir du Gifadas. Je suis juste derrière. Voilà, donc à l'aspiration. Il l'a eu, je crois. Je sais pas, ce son, il l'a pas eu à l'aspiration. J'en ai aucune idée. Comme vous voyez, voilà, sur la carte, le top 7, top 8 est vachement concentré. J'aurais bien dedans. Enfin, je suis dedans, mais. Je veux dire, pour la bataille du moins. Bon, j'ai pris un peu plus qu'on envole. À savoir que la course, je ne sais pas si je l'ai mis, mais la victoire vaut 2250, je crois. Donc, ouais. Allez, sur ce, les gars, je vous laisse. C'était Débile, salut!